différentes chapters pour pas se faire remplacer. C'est beau, je pars mon logiciel là. C'est beau, ça load. Ça me prend une adresse IP là. On a eu une crise. Oups. Gouvernement. Des enquêteurs ici ont sont formés pour comprendre très bien comment ce que le hacker fonctionne jusqu'à être capable exécuter les mêmes trucs, les mêmes exploits, comme on dit, que des hackers. Si vous les virez sur votre bord, mais il se fera pas remplacer jusqu'à ce point. Alors, nous sommes présentement dans un endroit isolé. J'aimerais savoir la raison. Ben, on s'est retiré un peu, mis à part. Parce que là, on était installé un petit programme qui est un bonds qui va permettre de, comment je pourrais appeler ça, de réfléchir notre attaque sur une cible donnée. Donc, ce que ça va nous protéger, puis en même temps, on va pouvoir attaquer plusieurs sites puis vous en faire des démonstrations sans qu'on puisse être retracé et sans aucun danger. Ouais, mais parce que si la police nous retrace, ça va tomber sur le chapters. OK, mais là, est-ce que vous faites un relais, là, comme tout à l'heure? C'est ça, c'est le relais. C'est la même principe? Le relais est là-bas. Nous autres, on est reliés au relais. Donc, si jamais la police nous retrace, elle tombe au relais. Elle ne peut pas aller plus loin. Le relais est au chapter. Oui. Encore. Donc, si... non, tantôt, on était installé, le relais. C'est bien installé. Puis moi, j'ai vérifié, c'est vous. Parce que là, si la police nous aurait repéré au chapters, il aurait tombé sur chapters, puis nous autres, on était là. Donc, ça a été très mal été. Donc là, on s'est éloigné. On est dans un endroit clos. Il n'y a absolument personne, ou presque. Puis, on ne devrait pas avoir de problème. OK, c'est donc présentement que là, vous allez procéder. Oui. Au Chapters, il y avait plusieurs ordinateurs qui étaient comme sur le bord de la fenêtre. Sont tous branchés en réseau. Pour que nous autres, on puisse se servir de ces ordinateurs-là, on a mis des petits collants hors service dessus. Donc là, nous autres, on a dérivé un fil. Bon, depuis un fil qui traîne à terre, on l'a ramené pas loin d'où ce que je travaillais. Puis je me suis branché en réseau. Donc, ça apparaît pas nulle part. C'est juste leur propre ordinateur qui s'est plugué en réseau. Il a fallu une journée avant, sans que vous sachiez, on était comme mettre des petits collants hors d'usage. Parce que sinon, on n'a pas de connexion Internet qui traîne à terre. Donc, parfois, ça demande un peu de préparation. Pour être sûr de ne pas me faire pogner, ce que je pense des fois, c'est que je pense comme la police. Comment que je fais pour le pogner? Quelle trace que j'utilise? Donc là, je vais savoir que lui, il va utiliser telle trace. Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas que je laisse la trace là. Ensuite, il va remonter aux sources. Bon, là, il faut que je fasse attention à telle ou telle source parce qu'eux autres, ils vont laisser des empreintes. Et ainsi de suite. Donc, il faut que des fois, tu penses selon d'autres mentalités. À ce moment-là, tu dis, je veux un bang. Et souvent, les hackers, ceux qui sont moindrement bons, mais ils vont mettre beaucoup de machines entre eux et la cible qu'ils visent. Alors, à chaque fois, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle du backtracking. Nous autres, on part, mettons, de la victime, on s'en va à la dernière étape avant d'arriver à la victime. Ça nous amène justement chez un fournisseur de services Internet. On fait une perquisition là pour obtenir l'information, mais souvent, c'est un compte qui a été hacké. Ça vient souvent de l'Australie, les actes produits de l'Australie, du Japon, de la Russie, de l'Europe, de l'Est. Des États-Unis, du Canada, il y en a, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas autant que dans les autres pays. Et nous autres, on y a installé un séquenceur qui cherche des mots de passe. Ils essayent toutes les possibilités de mots de passe. Ils peuvent en essayer 1000 par seconde. À 1000 par seconde,
il peut en essayer une couple de millions en une heure. Là. C'est comme pas long. Là. D'habitude, un mot de passe, s'il y a juste des lettres, une lettre, c'est 26 possibilités. S'il y a un caractère et c'est juste des lettres, c'est 26 possibilités. S'il y a des chiffres, ça monte à 36 possibilités. S'il y a les petites lettres, les grosses lettres, tous les caractères possibles, ça monte jusqu'à 256 possibilités pour un caractère. Donc, dès qu'on monte à deux caractères, ça en fait 256. On peut utiliser toutes les connexions d'ordinateurs qu'on a dans le monde. Parce qu'on divise la job par le nombre d'ordinateurs. Si on a un ordinateur qui fait la job, ça y prend 10 ans. Si tu as deux ordinateurs, ça y prend 5 ans, puis ainsi de suite. Plus que tu rajoutes d'ordinateurs, plus ça divise la job. Tu peux faire comme une clé de 1024 bits à 1000 ordinateurs, ça a pris une journée. Il y a plusieurs types de crimes informatiques. Tu as les vandalismes, ceux qui hassent sur des pages web, modifient les pages web. Comme la pire affaire, c'est, mettons, tu vas sur la page web de Futureshop puis tu changes les prix tout à 10 cents. Le magasin est obligé de payer au client le prix affiché. Donc, tu préfères fermer beaucoup de magasins comme ça. Mais ça, c'est du vandalisme. Tu as aussi les hackers qui volent de l'information. Une pharmacie fait des recherches pendant des années sur un médicament. Elle a investi des millions en développement, en recherche. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on pogne les... comment je peux appeler ça? Tous les rapports qui ont été faits sur la recherche. Puis, on les vend à prix réduit à une autre compagnie pharmaceutique. Il y a deux choses qu'on peut hacker normalement pour un site XXX. C'est soit pour les mots de passe, pour aller regarder des jolies demoiselles en train de s'amuser. Ce qui est vraiment pas mon genre. Je préfère plus aller sur un site de ce genre-là pour avoir les numéros de carte de crédit des personnes qui sont assez perverses pour aller sur des sites comme ça et utiliser ces cartes de crédit-là pour mes bons soins. Tu t'en vas sur un chat pour chatter, tu commences à écœurer le monde qu'il y a là. Il y a sûrement une probabilité qu'il y ait un hacker qui va être écœuré. Soit qu'il peut juste te déconnecter pour plus que tu parles, il peut déconnecter ta connexion Internet pour plus que tu sois honnête, ou il peut commencer à rentrer dans ton ordinateur, aller wiper des affaires, tout dépendant. Si tu sais que tu es un pédophile qui cherche des petites filles pour les violer, personnellement, moi je l'ai déjà fait deux fois, aller sur son ordinateur puis s'arranger que le gars puisse se connecter avant une bonne semaine. Donc on peut à peu près espionner n'importe quoi sur n'importe quel système. Il y en a qui peuvent rentrer dans ta vie privée, écouter tes messages sur ton répondeur, lire tes messages Internet, à regarder ce que tu fais chez toi, c'est une belle webcam, c'est très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent leur ordinateur allumé. Là, tu vois se déshabiller, puis tu vois des choses. Ouais, à la mieux. Personnellement, ben c'est ça. Je le fais professionnellement parce que c'est un bon moyen de gagner ma vie. Bon, c'est plus ou moins respectable par rapport aux standards actuels, mais tant que tu gardes ça de façon professionnelle, puis que tu fais pas de, justement, ce que je disais tantôt, de la désobéissance civile, puis ça reste dans le respectable, il y a quand même de matière à faire des bons salaires là-dedans. Je toucherai pas à des sites d'œuvres de charité, des sites exactement qui vont ramasser de l'argent pour aider le monde plus démuni. Ça, c'est quelque chose d'intouchable, veut pas. C'est ça, là. Eux autres, ils aident le monde. Quand on rentre quelque part et on veut savoir si on est un vrai hacker, on regarde son environnement de travail, sur des petits dégâts, mais faut pas que ça soit trop propre. Parce que si c'est trop propre, c'est probablement pas notre suspect. Si des fois Marc disait que des fois on pointe des comptes qui sont empruntés ou hackés, là, on arrive puis tout est bien rangé, les livres sont parfaits, les logiciels sont là, puis c'est bien à l'ordre, là, c'est pas ton hacker. Moi, c'est la nourriture. Si quelqu'un qui prend le temps à manger autour de son ordinateur, c'est parce que c'est important ce qu'il est en train de faire. Il y a des bouteilles de liqueur partout, là, puis des morceaux de quelque chose. Si tu vois des composantes électroniques, là, là, on est pas mal plus près de notre poids, si on veut, que la place où c'est trop propre. Attends, j'ai une bonne réponse pour ça. Qu'est-ce que c'est qu'un hacker? C'est quelqu'un qui est capable de passer 24 heures de suite devant un ordinateur jusqu'à temps qu'il ait trouvé une solution à un problème. Ça peut être un hacker. Quelqu'un qui est capable de passer réellement pratiquement toute sa vie devant un ordinateur parce qu'il en mange. C'est ça, sa vie. Ben, moi, je te dirais que les vrais bons hackers, là, j'ai hâte de voir le jour où on va le mettre à bien. Puis
c'est... Honnêtement, là, parce qu'il y a des gens qui connaissent ça comme faux, qui sont capables d'effacer leurs traces partout où ils vont, qui connaissent toutes les complexités des systèmes de sécurité, qui sont capables de les bypasser, puis de les effacer ou de modifier les fichiers dans lesquels ils peuvent avoir laissé des traces, puis qui savent dans lesquels on va regarder pour aller chercher la preuve. Ils vont être durs à tracer ces gens-là. On a des agents de liaison avec plusieurs agences gouvernementales. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait aller si loin. Des informations. Ouais, c'est bon ça, je vote pour ça.